Alors qu'est-ce qu'on va faire le restant de notre existence? Moisir à la maison en regardant passer les défilés? Nous amuser avec notre ménagerie de verre, ma chérie? Écouter à n'en plus finir ces vieux disques laissés par ton père pour se rappeler à notre bon souvenir? Nous n'allons pas avoir de vie professionnelle. Nous avons baissé les bras parce que ça nous donnait envie de vomir. Qu'est-ce qui nous reste à part vivre au crochet des autres toute notre existence? Je ne connais que trop bien le sort de ces femmes célibataires qui ne sont pas prêtes à entrer dans le monde professionnel. J'en ai vu des cas pitoyables de ce genre dans le sud. Des vieilles filles, hébergées à contre-cœur par le mari de leur sœur ou la femme de leur frère, reléguées dans une chambre pas plus grosse qu'un trou à rats, trimballées à travers tout le réseau parental comme une pièce rapportée, pauvres oisillons sans nid, avalant toute leur vie le pain noir de l'humiliation. C'est ça qu'on a comme perspective d'avenir. N'est pas une perspective très réjouissante, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, il y a des filles qui se marient. Tu ne t'es jamais intéressée à un garçon?